quand? Il y a une heure. J'ai une perte de 5 jours. Je suis passé voir maman, elle se demande ce que tu fabriques. Alors je suis venu chercher. Oh ma soeur. J'aime toujours cette villa. Courir dans la montagne avec des sales bêtes. Toi aussi t'aimais ça avant. Tu te souviens, on pouvait rester des heures ici tous les deux. Tiens. J'ai un cadeau pour toi. Magnifique, Henri. Merci. Oh, c'est bon de te voir. Ah, les voilà. Regarde-les tous les deux comme ils sont beaux. Les deux doigts d'une main. Wow! Tu es très belle, ma tante. C'est que je veux plaire à mon Edmond, moi. Faut ce qu'il faut. S'il a besoin de ça pour t'aimer, c'est que c'est vraiment un crétin, ton Edmond. Vous venez avec moi au bal, hein, mes chéris? Non, j'y vais pas. Pourquoi? Ça m'ennuie. Toi, ma petite sœur, tu mets ta plus belle robe et tu viens me rejoindre là-bas un peu plus tard, d'accord? D'accord? D'accord. Allez, c'est parti! Regarde-la, celle-là pour qui elle se prend. Et les crétins ont fermé la bouche pour ressembler à des entonnoirs. Dis donc, Étienne, paraît que tu m'as eu dans la ferme de Fournon. Non. Oui, bah je te préviens, si tu continues à raconter des mensonges, t'auras affaire à moi. Pareil pour vous deux. Vous avez bien mouché, la sorcière. T'es sourde ou quoi? Viens, je vais te présenter. Edmond, je te présente Aline, ma nièce. Bonjour Aline. Jora m'a souvent parlé de vous. Je suis content de faire votre connaissance. Ouais, j'ai envie d'une danse. Qui est-ce? Bah, mon énième futur beau-père. Tu danses? Allez, viens, Yvon. Bah alors, tu danses pas, petite sœur? Ça va? Oui. Pour toi. Parce que t'es la plus belle. Merci, Saturnin. Tu me les gardes jusqu'à la fin du bal, d'accord? Bonjour, Henri. On est toujours amis? Et comment que t'es mon ami? T'es même le seul ami que j'ai dans ce pays de misère. T'es drôlement beau, militaire. Jacqueline. Tu me fais danser? Attends, laisse tomber, tu vas avoir des ennuis. Fous-moi la paix! Allez, quoi? Juste une danse, pour faire la paix. Moi, Antoine! Toi, débile, tu dégages! Arrête! Dégage de Gringalet si tu veux pas recevoir une correction. Je sais pas.
Espèce de quoi? Faut pas te laisser seul 2 secondes, toi, hein? Je vois que t'as rencontré mon copain Arnaud. C'est un gars de la ville. Il savait pas où passer sa ferme, je l'ai invité à la maison. Aline, ma sœur. Bah, ton copain, tu lui diras de s'occuper de ses affaires la prochaine fois. T'inquiète pas, ici, on l'appelle la sauvage. T'inquiète pas pour Aline, elle se calmera. Et tu sais, depuis que notre père nous a abandonnés, on a appris à se défendre tout seul. Ouais, je comprends. Tu sais pourquoi les gens lui en veulent autant? C'est les paysans. Pour eux, une fille peut pas avoir d'autre but dans la vie que de se trouver un mari. En plus, il faudrait qu'elle soit docile, obéissante. Alors qu'Aline, elle est libre, indépendante. Ça, ils aiment pas. Alors, ils lui font payer par la médisance. J'aimerais tellement la sortir de ce trou. Ouais, bah c'est pas en restant dans l'armée que tu vas y arriver. Hein. Elle a raison, ma sœur. Mets-toi tes affaires. Bon, je te laisse, je vais me coucher. À demain. Bonne nuit. Prévenu le débile. Cette fois, tu vas l'avoir, ta raclée. Bonjour. Déjà réveillé? Il y a longtemps que j'avais pas si bien dormi. Je peux vous accompagner? Ça, là-haut? Sûrement pas, non. J'ai pas besoin d'un gars de la ville pour effrayer mes moutons. Vous avez raison, je vous gênerai. Excusez-moi. Attendez. D'accord, je vous amène. Mais je vous préviens, ça grimpe dur là-haut, hein. Je vous attendrai pas. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'accompagne Aline. Tu viens avec nous? Oh, ça va, je les ai assez vus, moi, les moutons. Fais gaffe, ça grimpe là-haut. Je crois que j'ai compris, ça. Inspecteur Lehenin? Oui. Je peux vous parler? Inspecteur. Bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça. Écoutez, je sais qu'on n'a pas été très juste envers vous, mais vous comprenez, à l'époque, les influences étaient, comment dirais-je... Peu importe, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une enquête à vous confier. Le fils d'un boucher a été poignardé à Gorbiou. Bon, je vous dis pas que c'est l'affaire du siècle, mais ça pourrait vous remettre en scène. Je finis de ranger ça et je vous rejoins. Très bien. Ça va, je t'entends, patron? Si tu te moques, ça va pas aller. Pardon, t'as raison. Arrête de t'excuser, ça m'agace. Bon, d'accord, je suis odieuse. Mais c'est parce que je viens toujours toute seule ici, d'habitude. Ou alors avec mon frère Henri, quand il est là. T'as aucune justification à me donner. Thank you.
C'est vraiment magnifique ici. Ouais. J'aimerais bien avoir un lieu comme ça, moi aussi. Un lieu de solitude. Où as-tu passé ton enfance, Arnaud ? À l'orphelinat. Je me souviens, la porte du dortoir donnait sur un mur en pierre. Et on passait des heures à regarder ce mur comme si c'était la plus belle chose du monde. Ma montagne à moi. Après, j'étais adopté par un négociant en vin. Et sa femme. Il n'était pas très affectueux, mais c'était pas méchant. Puis quand j'ai eu 17 ans, ma femme est tombée malade. Et puis j'ai fait moi. Je me suis retrouvé là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, une impression bizarre. Comme si quelqu'un m'épiait. Allez. Celui qui a fait ça devait être drôlement en rogne. Ce gars-là, c'est une sale engeance. Ça lui pend des au nez. Inspecteur Léonin, sûreté. Bonjour, inspecteur. Personne ne mérite de mourir comme ça. Qui est-ce ? Antoine Deyrat, le fils du boucher. Il y a eu un bal ici hier soir ? Oui, c'est en rentrant que l'Antoine s'est fait. Mon fils et lui étaient amis. Il m'a dit qu'il s'est battu avec un militaire parce qu'il a tripoté une fille, Aline Boissière. Sacrée jolie fille. Trouvez-les-moi. Le militaire et la fille. Eh ben, il a pas l'air commode, lui. C'est affreux. Antoine Deyrat a été assassiné cette nuit. Quoi ? Il y a un policier qui veut vous poser des questions. Il est là. Aline Boissière ? Oui. Inspecteur Lehenin, Antoine Deyrat vous a importuné hier soir au bal ? Il fait ça avec toutes les filles. Il porte encore sur le visage les marques de vos ongles. Je me suis défendue, c'est tout. T'en doute pas. Bon, écoutez, on est rentré tranquillement après le bal. Je ne vous ai pas posé de questions, jeune homme. C'est à cette demoiselle que je parle. Peut-être, mais je trouve vos questions insidieuses et déplaisantes. Les questions d'un policier le sont toujours. Vous êtes Arnaud Villiers ? Oui, c'est moi. Vous vous êtes battu avec la victime hier soir ? Je ne me suis pas vraiment battu. Il était complètement saoul. Il est quasiment tombé tout seul. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit, mais bon. Et donc, vous êtes rentrés tous les trois à vous coucher après le bal ? Oui, c'est ça. Le meurtre a eu lieu tard dans la nuit. Aucun de vous n'a pu ressortir sans éveiller la maison. Non, personne n'est ressorti. Très bien. Je vous remercie. Attendez, inspecteur, on va vous ramener. Non, merci, je vais marcher. Et la bergère, là, c'est moi ? Oui. Attention. Le grand méchant loup. C'est magnifique. Tu sais que t'es douée. C'est pour toi. C'est vrai ? Oui. Merci. Alors, les soldats, bien dans la quille ? Peut-être pas.
On nous a proposé d'intégrer l'école d'officiers. C'est bien ça. Avant, un paysan serait jamais devenu officier. Et vos classes, vous allez les faire où? À Toulon? Non, non. On s'est porté volontaire pour rejoindre les troupes du protectorat, à Rabat. C'est où, ça? Au Maroc. C'est le meilleur moyen pour prendre du galon vite fait. Au café, l'autre jour, j'ai entendu dire qu'il y avait des combats. Tu sais, c'est pas vraiment des combats, hein, juste quelques tribus rebelles. Puis ça m'étonnerait qu'ils y envoient des jeunes officiers. Mais alors pourquoi y aller? La dernière guerre a fait des millions de morts. Ça vous suffit pas? Tu sais, nous, on va où on nous dit d'aller. Hein. Vous avez pas besoin de devenir des officiers, on a besoin de vous ici. Arrête, Aline. Henri sera pas un paysan. Il a de l'ambition et je trouve ça bien. Ah oui, parce que pour moi, la ferme, c'est assez bien. Pour une fille, c'est pas pareil. Et puis si t'étais un peu moins dur, il y a longtemps que t'aurais trouvé un bon mari. Un mari comme le tien? Un sale type qui disparaît en laissant sa femme enceinte? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais que tu t'inquiètes pour Henri. Je le connais un peu maintenant. Il aime trop la vie pour prendre des risques inconsidérés. Non, tu le connais pas. Henri, ce qu'il aime, c'est briller. S'il y a des combats, il sera le premier à se porter volontaire. Je le connais. Tout ça pour devenir général. Quoi? Non, c'est le mot général qui m'amuse. La plupart sont des vieux et je doute qu'Henri reste 30 ans dans l'armée. 5 ans, 30 ans, peu importe. Un jour suffit pour se faire tuer. Je me souviens, il avait à peine 14 ans et... un loup avait tué plusieurs de nos moutons. Henri est monté en pleine nuit avec deux moutons et son couteau. Il a veillé toute la nuit. Petit matin, le loup est arrivé et... Henri l'a tué. J'oublierai jamais ça. Il est redescendu avec le loup sur ses épaules et... c'est un gosse inconscient. C'est plutôt un signe de courage que d'inconscience. Hein. Mais tu comprends pas? Il se fichait éperdument du troupeau. Ce qui comptait pour lui, c'était sa victoire. Il aurait pu prendre un fusil, organiser une battue, comme tous les paysans du coin. Non. Il était l'enfant qui avait tué un loup avec ses mains. Et après... après, c'est devenu un héros dans tout le pays. Tout le monde le craignait. Je comprends, Aline. Je te fais la promesse de veiller sur lui. Il te laissera pas faire. Je peux être assez ténueux, moi aussi. Tu ne mens jamais, n'est-ce pas? Jamais. Qu'est-ce que tu lis? Histoire extraordinaire. Je connais pas. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de livres à la maison. Lis-moi une phrase. Pour que nous soyons heureux jusqu'au même point, il faut que... il faut que quoi? Dis-moi, il faut que quoi? Je te le dirai plus tard. On devrait rentrer. Vous partez demain? Oui. Aline... quoi? Vas-y, toi. Quand je suis arrivé, il y a 5 jours sur cette place, en fait, je... j'ai vu que toi. Et j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais éprouvé. Bon, après, j'ai pas cessé de commettre des bourdes, de parler pour toi, de faire comme si t'avais besoin de ma protection.
Je t'aurais volontiers arraché les yeux. Mais ces 5 jours avec toi ont été les plus incroyables de ma vie. Et je crois bien que... Je t'aime, Aline. Je t'aime comme jamais je n'ai aimé. Je t'aime au point de savoir que je n'aimerai jamais plus personne comme ça. Faire attention. N'inquiète pas, quand je reviendrai, j'aurai un bel uniforme avec plein de galons. Je m'en fiche de ça. Pas moi. On va rater le train, là. C'est la dernière Talbot 6 cylindres. Edmond me l'a prêté pour la journée. Et ben, il a confiance. Oh. Oh, bah tu sais, il est adorable, il peut rien me refuser. Il est hôtelier, tu sais, alors lui, la crise, il s'en fiche. Tu veux être mariée alors? Ah, pas question, moi je tiens trop à ma liberté. Par contre, j'ai accepté de vivre en ménage avec lui parce qu'un homme... Tous les soirs, c'est quand même agréable. Il faudra absolument que tu viennes nous voir, hein. Surtout dans un hôtel. Il y aura toujours une chambre pour toi. T'as rien oublié, toi? Ben non. Ah si, ah si, si ma valise. Voilà. Au revoir, ma Marie. Au revoir, ma bichette. Sois prudente. Oui. Tiens. Ah non. Ah si. Au revoir, maintenant. Si. Et promets-moi de prendre un peu de bon temps. Mon amour. Je suis si heureuse d'avoir de tes nouvelles. C'est si dur ici sans toi. Je pense à toi. Je pense à toi sans cesse. Je pense à toi tout le temps. Monsieur Frollo?
Pardon, je vous ai fait peur. Je suis Nicolas Situteur, Paul Desbazur. Vous êtes? Aline Boissière. Que puis-je faire pour vous? C'était ma classe quand j'ai passé le certificat. Je viens voir Monsieur Frollo. Monsieur Frollo est parti à la retraite, c'est moi qui le remplace. J'ai besoin d'un dictionnaire pour écrire une lettre. Je cherche des mots. Je peux vous prêter celui-ci. Vous me le rendrez quand vous aurez fini. Merci. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, vous savez. Venez quand vous voulez, je suis là tous les jours. Papa, François m'a tiré les cheveux. Non mais Virginie, d'abord on ne rapporte pas, et puis comme tu vois, je suis occupée. Retourne avec tes frères et j'arrive tout de suite. Excusez-moi, je suis seule avec mes trois enfants. Et un peu débordée. Du reste, je cherche quelqu'un pour faire le ménage à l'école. Je demande ça à toutes les personnes que je rencontre, si vous connaissez. Excusez-moi, quelqu'un. Vous pourriez me montrer le Maroc sur cette carte, s'il vous plaît? Oui. Nous sommes ici, dans le sud de la France. On traverse la Méditerranée et voilà le Maroc. Tanger, en face de Gibraltar, Casablanca sur l'océan Atlantique. Et puis Marrakech, aux portes du désert. Le désert, c'est là, c'est tout en bas. Ma tendre Aline. Ici, tout va bien. Il y a bien eu quelques coups de fusil récemment, mais c'était seulement pour tirer des drôles de lapins qu'on trouve dans la région. Je pense à toi sans cesse, à ton sourire, ton regard, à ta peau. Ça va, l'écrivain ? Heureusement, la semaine prochaine, on sera relevé. Tant mieux parce que j'en ai marre de bouffer du sable et de courir sur des cailloux. Sinon, ce pays offre des moyens inouïs pour celui qui a de l'ambition. Ce protectorat, c'est exactement ce qu'il me fallait pour avancer. Surtout que je viens de passer caporal. C'est un début. J'espère bien être avec vous pour Noël, Henri. Quelle idée aussi d'aller si loin. Enfin, si ça lui donne de l'avancement, hein. Talat, j'y ai pas droit. Le Garpeau? Oui, un peu. Vous aimerez. J'en suis sûr. Monsieur Desmazur, est-ce que vous pensez qu'il y a des livres que je devrais lire? Je sais que ça ne me servira pas à grand-chose, mais je voudrais pas vivre idiote. Oh, vous n'êtes certainement pas idiote. Puis si vous voulez apprendre, je pourrais vous aider, de quelque manière que ce soit. Vous savez... Oh non, 7h30, il faut que je corrige mes copies. Je suis très heureux que vous soyez là. Je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux. Merci.
Laissez-le! Toi, arrêtez! Laisse-le! Tu vas le tuer! Mon amour, mon cœur bat à chaque fois que le facteur m'apporte une de tes lettres. J'ai toujours peur pour toi. Je travaille maintenant à l'école où je fais le ménage. L'instituteur m'apprend plein de choses. Il me prête aussi des livres. J'ai hâte de lire le tien, quand tu seras là. Bientôt. Tu sais ce qu'il nous faudrait ? C'est un bon fait d'armes. Avec médaille militaire à l'appui. Quand on veut s'engager en politique, ça accélère les choses. Henri, je vais demander ta sœur en mariage. T'as entendu ? Ouais. Ben alors, t'es d'accord ? Ben c'est à elle qu'il faut demander ça. Je serais content de t'avoir comme beau-frère, ouais. T'as ma bénédiction, si c'est ça que tu veux savoir. Ouais, c'est ça que je veux savoir, ouais. Quelque chose qui passe par. Attends, attends. Regarde-moi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Tu les as eues ce mois-ci ? Non. Depuis combien de temps ? 2 mois. Mais c'est pas vrai. Moi qui te faisais confiance. Mais en fait, tu le connais pas, ce garçon. Tu sais même pas s'il va revenir. Si, il va revenir. Je sais qu'il va revenir. T'es complètement folle, ma fille. Tu crois que t'es la première à te faire avoir ? Bonjour, mademoiselle Boissière. Qu'est-ce qui ne va pas ? Excusez-moi, monsieur, mais je ne vais pas pouvoir continuer à travailler à l'école. Vous avez trouvé autre chose ? Je comprendrai très bien, vous savez. Excusez-moi, ça le dit. Si vous voulez emprunter des livres ou que nous continuions nos conversations. Je suis enceinte. Ça va pas tarder à se voir, franchement, alors. Comme vous savez, je ne suis pas mariée. Et une fille mère dans l'école de la commune, ça l'afficherait mal. Ça, c'est à moi d'en juger, mademoiselle. Pensez-vous vraiment qu'après vous avoir parlé de Louise Michel, de Virginia Woolf, je vais me formaliser de savoir que vous avez aimé un jeune homme au point de vous être donné entièrement à lui? C'est bien mal me juger, mademoiselle. Oui. Vous avez honte? Non. Alors je vais vous voir, tant que votre état le permet, bien sûr, à 7h tous les matins, ici, comme d'habitude. Et si quelqu'un a redire à cela, je m'en occuperai personnellement. Merci, mademoiselle, j'ai affaire maintenant. Comme d'habitude, je suis en retard sur mes corrections. Allez-y. J'ai l'intention d'amener mes enfants en promenade dimanche. Voulez-vous vous joindre à nous ? Voilà.
Non, 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 attendez, les enfants, s'il vous plaît. Allons, allez jouer là-bas. Avancez. Oh! Oh, regardez les enfants. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est un nid de guêpe. Tiens, François, si tu as ta boîte, ramasse-le délicatement et je la porterai à l'école. Nous le disséquerons. C'est une merveille de technique. Des guêpes? Y a rien, c'est vide, petite cruche. C'est toi, la cruche? Oh, dites donc, allez jouer un peu plus loin. On va déjeuner ici. Arrête de me faire des trucs. Parfait. C'est bon, c'est pas grave. Ici? Oui. Essaye de m'attraper, c'est toi. Vos enfants sont vraiment adorables. Essaye de m'attraper. Oui. On sent qu'ils vous aiment beaucoup. Je crois même qu'ils me préservent un peu depuis la mort de leur mère. Ça fait 3 ans. Et vous? Vous avez des nouvelles? Non. Mais le courrier met parfois du temps à arriver de là-bas. Oui, et puis la vie militaire, vous savez, l'éloignement. Ah, pardonnez-moi, je suis maladroit. Je suis certain qu'il vous reviendra bientôt. Pour Noël. Henri et lui seront là. J'ai hâte. Oui, Arnaud. Quoi, non? Quoi? Quoi? Non!
pas grand-chose, ma pauvre Nari. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est que du chagrin? Mais oui. Il y a eu un épanchement pleural qui a noyé le cœur. Enfin, c'est ce que vous appelez le cœur gros. Il est en train de se laisser mourir d'amour. Bonjour, monsieur l'instituteur. Bonjour, mademoiselle. Comment va-t-elle? Merci de votre visite. C'est bien normal. Je dois repartir demain. Et ça m'embête de la laisser seule dans cet état avec maman. Non, si ça peut vous rassurer, je passerai la voir tous les jours. Et j'aiderai votre maman autant que je le pourrai. Merci. C'était un rêve, mon cœur. Non. Non. Il est quelque part. Il est vivant quelque part. Bon, allez, prends ça. Non. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là depuis 2 jours. Allez. J'ai pas faim. Écoute, le médecin a dit que si tu mangeais pas, tu allais mourir. C'est tout ce que je demande. Ça. Je sais ce que vous ressentez, vous savez. Je l'ai vécu à la mort de ma femme. Et puis c'est atroce à dire, mais comme disait La Fontaine, sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Vous avez vos enfants? Il ne me reste rien. Vous portez son enfant. Chapeau, Adam Malo.
Ah, attendez. Ah, on s'arrête un moment. On s'arrête. On est de sacrée forme, hein. Merci. Ah. Ah. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Allez jouer dans les bois, les enfants. On repart dans 5 minutes. Merci pour le petit mensonge. Vous avez sauvé ma dignité de père. Je vous en prie. En fait, papa, j'ai bien compris que c'est pas Aline qui est fatiguée. Écoute, va jouer. Monsieur Desmazures, je... Vous vous souvenez de mon prénom, Aline? Bien sûr, je me souviens de votre prénom, oui. Alors utilisez-le. Que voulez-vous me demander? Je voulais vous remercier. De quoi? De votre amitié durant tous ces derniers mois. De m'avoir soutenue avec vos merveilleux enfants. Et de m'avoir rendue un petit peu moins bête. Aline. Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître indécent. La vie nous a cruellement frappés, tous les deux. Peut-être pourrions-nous unir nos deux détresses afin d'en extraire un peu de bonheur. Je vous aime, Aline. Depuis le premier jour où je vous ai rencontré dans ma classe, je ne vous demande pas d'avoir les mêmes sentiments. Peut-être qu'avec le temps... Épousez-moi, Aline. Pas Paul, je... Tout ça est assez troublant. Je vais réfléchir. Bien sûr. Bien sûr. Kunda. Je suis Abdel El Mansour, de la tribu d'Eich Mzatn. Voici mon père et ma sœur Naïma. Dieu n'a pas voulu que tu meures, mais que tu arrives chez nous. Tu ne te rappelles pas ton nom? Non. J'essaye, mais je... Je ne me rappelle pas. كيحاولوا ولكن ما قدر يعقل على والو. مرحبا بك. بقى معنا. Mon père dit que tu es bienvenu. Papa, je peux voir l'envers, s'il te plaît? Non, mais enfin, non. Moi aussi, j'en veux, papa. Mais dis donc, assieds-toi sur tes fesses et mange ta pomme. Les enfants,
vous avez une nouvelle maman. Ouais. Eh bien, dis donc. C'est la fête chez l'instituteur. On irait bien, ouais. Je lève mon verre au bonheur de Paul et d'Aline des Masures. Et à leurs enfants. Présents et à venir. Merci pour ce bonheur. Aline. J'ai quelque chose à te dire. Tu vois, il était à maman. Qu'il tenait de sa mère. Attends, là, voilà. Merci. Sois heureuse. Tu sais, tu as fait le bon choix, ma fille. Tu as donné un père à ton enfant, c'est ça qui compte. Et puis c'est un homme bien. Rends-lui les bienfaits qu'il te donne. Bonjour André. Bonjour. Je vais te présenter. Henri Edmond, monsieur le maire, je présente André Marcy, un vieil ami. Bonjour. À moi. Bonjour. 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 Vous êtes le député Marcy? Je ne savais pas si célèbre. Permettez? Il y a trois semaines, je suis allé écouter un de vos discours. Merci. Moi, l'armée, j'ai compris. Paysan, je n'irai jamais plus loin qu'à Judan, même en me faisant trouver la peau. Ça vous dirait de participer à notre combat? De militer? Et comment? Avec la misère qui s'est abattue sur nous depuis la crise de 29, on n'a pas le droit de rester neutre. La société est en train de changer. Regardez les gens. Ils voient bien que le système est en bout de course. Je partage ton point de vue. Nous préparons les élections qui auront lieu dans trois semaines. L'Union des Gauches a de bonnes chances. Bien sûr. Tout est à reconstruire. Il faut absolument tirer profit des leçons de 14. Et avec des hommes comme Blum et Torres, on peut espérer que ça va bouger. Tiens. Dès que tu auras fini ton temps, contacte-moi. Tu as fait une nouvelle recrue. Il le mérite. Je pense aussi. On n'en a jamais parlé. Enfin, je veux dire... rien de presse. Il y a deux enfants. C'est des jumeaux. Et toi, t'es sûr que c'est ici que tu dois aller? Quoi, j'ai pas le droit de venir à plaisir le sénateur? Régnez président.
Je vous donnerai le signal. D'être venus si nombreux. Notre ville montre ainsi qu'elle saura empêcher la vermine rouge d'envahir notre pays. Notre pays a toujours été le pays de la liberté. Liberté d'entreprendre, liberté de réussir, liberté de posséder. La jeunesse de ce pays doit réagir en refusant le collectivisme, le paysan. Dis donc, camarade, on va le laisser broyer combien de temps, ce vieux fachou ? Travail ! Si ces libertés devaient être menacées, je sais qu'avec vous, tous les Français se dresseront contre la dictature. À mort les fascistes ! Ordure ! Mes amis, ne cédez pas à la provocation ! Paul a parlé avec le député Marcy. Il paraît que tu as quitté le parti pour rejoindre un groupe d'anarchistes. Marcy et ses militants sont des rêveurs, des inutiles. Ils savent que discuter autour des mêmes idées. Parce qu'on peut faire de la politique autrement ? Oui. En mettant ses idées en pratique. Et en se donnant les moyens de les imposer. Ça conduit souvent au fascisme. T'as grandi, ma petite sœur, c'est bien. Laisse-moi atteindre mon but. Et quand je serai au sommet, je viendrai te chercher. Mais tu sais très bien que j'ai jamais voulu atteindre les sommets. Moi, je vais être fière de ma vie, c'est tout ce que je veux. Tiens. Je sais que normalement, c'est pour le baptême, mais comme je voulais que ce soit du beau, j'ai attendu un peu. Enfin, beaucoup. Elles sont magnifiques, Henri. Merci. Faut que j'y aille. Donne le bonjour à Paul. Je te donne des nouvelles très vite. Henri, ne fais rien que tu pourrais regretter. Je te connais. Bon, les enfants, faites moins de bruit, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Hitler est devenu fou. Il se passe des choses épouvantables en Allemagne. Les livres. On emprisonne les intellectuels. L'Europe va mal, Aline. Très mal.
n'y a pas d'avenir pour nous ici. Encore moins pour les enfants. Enfin, où veux-tu aller? L'État propose des terres à des prix très bas pour les Français qui acceptent de s'expatrier dans le protectorat marocain. Regarde. Et toi, tu te vends en paysan? Non. Non, pas moi. Je pourrais continuer à enseigner. Et toi, tu exploiterais une terre avec les enfants? Bien sûr. On s'en sort pas ici avec mon salaire de misère. Je gagnerai presque le double là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Rien. Rien, je sais pas. Mais réfléchis. Réfléchis vite. Azorou. Maintenant, on ne parle plus berbère. On parle en arabe. Hajra. 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 Azorou. Hajra. Bonjour, je m'appelle Henri Boissière. Je voudrais parler à Monsieur Régnier. Vous avez rendez-vous? Non. Alors ça va être difficile. Monsieur Régnier est en entretien et ensuite il doit partir à la préfecture. Qu'est-ce que c'est, Jeannine? C'est un monsieur qui voulait vous voir, mais enfin je lui ai dit que vous deviez partir immédiatement. Et donc... Tu es moi. Je dois être à la préfecture dans un quart d'heure. Faites vite. Qu'est-ce que vous voulez, de l'argent? Ah non, pas du tout, monsieur. Quoi alors? Je veux travailler avec vous. Vous étiez avec la bande d'anarchistes qui a provoqué une bagarre pendant ma réunion, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Vous m'avez convaincu. Sûrement pas. Mais vous êtes un opportuniste, prêt à tout pour sortir de son milieu. Qu'est-ce que vous savez de mon milieu? Je sais reconnaître un paysan, même avec une belle gueule et un bon costume. Vous avez saisi l'occasion de sauver ma fille, maintenant vous me demandez de payer ma dette. J'ai besoin d'un secrétaire, un homme à tout faire, qui m'accompagne dans mes déplacements. Vous êtes disponible? Je croyais que... M'avoir déçu? Au contraire. Les gens comme vous sont précieux pour des gens comme moi. Mais c'est à partir de maintenant qu'il ne faut pas me décevoir. Je commence quand? Je pars ce soir, pour Menton. Le temps de prendre quelques affaires. Je vous laisse. Henri, vous fumez le cigare? Non, mais je veux bien essayer. Ah. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Instructive. Très instructive. Le maire ne fait rien sans consulter cette dame qui était à ses côtés. Et vous lui avez tapé dans l'œil. Occupez-vous d'elle pendant vos loisirs. Ça facilitera nos rapports avec le maire. Mais si vous regardez ma fille comme vous avez regardé la conseillère du maire, je vous étripe. Bon, je vais me coucher. Demain soir, nous partons pour Paris. Jeudi, nous redescendons sur Lyon, puis retour ici. Je vous retrouve à la gare à 6 heures. Occupez-vous des billets. Vous voulez prendre un congé? Non, faites-le pour moi. Vous êtes un malin.
montre-moi ça. Quoi donc? Le journal. Bah, mais... Paul. Aline, ton frère est un traître. Toi, tu te rends bien compte, Régnier, cette espèce de salopard d'extrême droite. Je t'interdis de le critiquer, Paul. Oh. Si tu avais eu la même vie que nous, tu comprendrais. Parce que tu crois que moi, ma vie, elle a toujours été rose. Je crois que moi aussi, j'ai pas du mal à joindre les deux bouts. J'élève 5 enfants avec un salaire de misère. Pourtant, j'ai jamais trahi ce en quoi je crois. Jamais. Pour couronner le tout, je suis marié à une femme qui pense sans cesse à un soldat qu'elle a croisé 5 jours dans sa vie. T'as pas le droit de dire ça, Paul. Mais c'est toi qui es venu me chercher, moi je t'ai jamais menti. Tu savais très bien que ce serait difficile pour moi. Il est mort il y a 2 ans! Directement de mon écurie, monsieur le ministre. Il n'existait pas avant ça. Mais il promet, y compris sur des terrains lourds. Ma fille m'a carrément menacé d'un suicide si elle ne l'épousait pas. Écoutez, laissez-moi passer. Attendez ici. Henri! Monsieur, Henri! Il y a une personne qui n'a pas de carton. Elle veut entrer absolument. Henri! Henri! Excusez-moi. C'est bon? Allez-y. Qu'est-ce que tu fais là? Mais laissez donc ce jeune marié et venez prendre une coupe de champagne. Écoutez, fichez-moi la paix. Je devrais pas être au mariage de mon frère. Tout ce qu'on a vécu, tu vas y renoncer pour ça? T'es pas comme tous ces gens, Henri. Tu vaux mieux que ça. Personne n'a jamais pu t'imposer quoi que ce soit. Tu as tort. Ma vie est ici, maintenant. Elle est belle. Épouse-la. Mais ne renie pas ce que tu es. Ce monde-là est plus féroce que le vôtre. N'est-ce pas, Madame Desmesures? Tu es là, c'est bien. Je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. Aime-moi, Paul. Aime-moi comme tu m'as jamais aimé.
papa nous offre sa maison du Canet en cadeau de mariage. Oui, je sais, il me l'a dit. C'est très généreux de sa part. Tu veux qu'on en parle? Non. Mais tout de même, Henri, ta sœur... Je ne veux pas en parler. Plus jamais, tu m'entends? Maman avec les enfants. Rentrera en fin d'après-midi. Paul, les enfants m'attendent. Oh, papy attend qu'on leur fasse un petit frère. Je sais, j'ai envie d'un enfant de toi. T'es fou. Moi, déjà du mal. On en parlera, Paul. Je vais voir. Saturnin a tué l'instituteur. Chez sa mère avec des enfants, on est allé la chercher. Le Saturnin a dû aller se planquer dans la montagne. Ça va être coton pour le dénicher. Dites-moi ce que vous avez vu. Alors on a vu le Saturnin qui sortait comme un dératé de l'école. Il avait du sang sur lui? Non, je crois pas. Non, pas de sang. La victime a reçu une dizaine de coups de couteau. L'assassin se tenait face à lui. Il a forcément été couvert de sang. Non, Saturnin n'est pas le coupable. Il aura découvert le corps, il s'est affolé. Non, non, n'entre pas, Aline, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Paul! Paul! Croiser le dénommé Saturnin. Inspecteur, je sais que les gendarmes le recherchent. Mais Saturnin est incapable de faire une chose pareille. Je suis d'accord avec vous. Alors qui aurait fait ça, inspecteur? Tout le monde aimait mon mari. Vous n'avez jamais aimé Paul Desmazures, n'est-ce pas? Vous n'avez cessé d'aimer l'autre. Écoutez, inspecteur, je n'aurais jamais fait de mal à Paul. Peut-être dans une de ces crises de violence dont vous êtes coutumière.
Bonjour les enfants. Mon gendre, bravo. La manière dont vous avez orchestré ce vote, j'aurais pas fait mieux. Finalement, c'était assez simple. Il suffit de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Le vieux dicton, les promesses n'engagent. Ceux qui y croient. Tu restes déjeuner avec nous, papa ? Non, je rentre au Sionis. Je veux pas vous déranger plus longtemps. Henri, prenez quelques jours de repos. Vous savez ce qui manque à cette maison ? Des rires et des cris d'enfants. Qu'est-ce qui se passe, Henri ? Le mari de ma sœur a été assassiné. La police les soupçonne. Mais tu crois que c'est possible ? Bien sûr que non. Toutes mes condoléances à lui. C'était un homme bien. Il serait bon que vous passiez à mon étude pour parler de l'avenir des enfants. Mon frère vous aimait beaucoup. Si vous avez besoin de nous... Rien à faire ici, Henri. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de quelque chose, je suis là. La vie va devenir difficile pour toi. Tu vas avoir besoin d'aide. Va-t'en. Va-t'en. Qui a apporté ça à la ferme il y a... Bon, je sais pas, il y a un mois environ. Alors, je te l'ai pas donné avant, parce que avec ton mari, je trouvais ça malvenu, mais... Maintenant... Bon, alors voilà, c'est les affaires d'Arnaud. Écoute, tu devrais jeter tout ça. Oublier cette histoire. Oui, tu as raison, maman. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Bonjour, Marie. Ma jolie. Bon, je vais m'occuper des enfants, oui. Hein? Vivier les Arabes. C'est un protectorat français. C'est comme si c'était la France. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que je sais plus comment vivre ici. Dans 2 mois, je toucherai plus le salaire de Paul. On va être expulsé de l'appartement. Qu'est-ce que je peux faire sans travail avec 5 enfants ? Ça a l'air bien là-bas. Ah oui, mais c'est bien beau tout ça. Mais combien elle coûte ta terre ? 12 000 francs. Dont un tiers payable avant le départ. Et puis pour le reste, on rembourse petit à petit. Avec le produit des récoltes. C'est pas cher, 4 000 francs, mais enfin, c'est quand même une sacrée somme à débourser. Moi, à la fin du mois, je devrais avoir 1 200 francs. Moi, je peux avoir 1 000 francs. Et moi, je peux ajouter 600 dans quelques jours. Eh ben voilà, ben, ça nous fait 2 800 francs. Alors, pour le reste... 1 200. Et Edmond, il viendrait avec nous ? Ah, sûrement pas. Je l'ai surpris l'autre jour avec la femme de chambre. Pendant que je me tapais tout le boulot, la clientèle et la comptabilité. Ça, j'ai pas mis une heure à faire ma valise, hein. Désolé, Flora. Oh, ça passera, va. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve ces 1 200 francs. Je crois que j'ai une idée. Au revoir, mes chéris. Ah zut, j'ai oublié ton courrier. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est une convocation au tribunal. Les terriers réclament la garde des enfants de Paul. Non, mais ils peuvent pas faire ça. On leur dit qu'on veut pas y aller, c'est tout. De toute façon, papa était fâché avec eux. Ouais, il disait que c'était des moucherottes. Non, du calme. Écoutez, les enfants. On est une famille, on restera une famille. Hein? Personne ne va nous séparer. Je vous le jure. Avant de rendre mon verdict dans cette affaire, je voudrais vous poser une question, monsieur Terrier. Si vous obtenez la garde des trois enfants des Bazures, vivront-ils avec vous? Eh bien, notre appartement n'est pas assez vaste pour accueillir trois enfants. Mais il va de soi qu'ils iront dans le meilleur pensionnat et que nous les reprendrons pour les vacances. Et vous, madame Desmazures? Ils vivront avec moi. Malgré votre situation matérielle particulièrement difficile? Ces enfants ont perdu leurs deux parents, monsieur le juge. Ils n'ont plus que moi. Jamais je ne les abandonnerai. En ces temps difficiles, il me semble que l'amour d'une mère, voire d'une belle-mère, aussi aimante soit-elle, ne peut suffire. Mais, monsieur le juge... Cependant, je reconnais que votre courage et votre détermination m'impressionnent. C'est pourquoi je vous confie la garde de François, Antoine et Virginie Desmazures. Maintenant, il nous reste à entrevoir l'avenir de vos deux autres enfants, Jean et Julie. Il y a quelques jours, j'ai eu la visite de monsieur Henri Boissière, le gendre du sénateur Régnier, qui est, si je ne me trompe pas, votre frère. Monsieur Boissière m'a fait part de son inquiétude quant à votre capacité à subvenir aux besoins de 5 enfants. Il se propose d'accueillir chez lui vos 2 jumeaux. J'avoue que je souscris assez à cette proposition qui, il me semble... Monsieur le juge, vous ne pouvez pas m'enlever mes propres enfants. Votre frère est aussi leur parrain, madame. Responsabilité qu'il prend très à cœur. Ils sont encore très jeunes. Ils ne souffriront pas de cette séparation qui ne sera que momentanée en attendant que vous ayez retrouvé un toit et suffisamment de ressources. Monsieur le juge... C'est à prendre ou à laisser, madame. Soit je place temporairement vos 2 enfants, Jean et Julie, chez votre frère, soit j'accorde la garde définitive des 3 enfants Desmazures à monsieur et madame Terrier. C'est bien. Je confie la garde de Jean et Julie à monsieur Henri Boissière. Cette décision sera effective à partir de la semaine prochaine. La séance est levée. Pourquoi tu fais ça? C'était la seule solution pour que tu les aies près de toi. Écoute, c'est toi qui t'es mise dans cette situation. C'est toi qui as voulu garder les enfants d'un autre. Mais personne ne les prendra, tu entends? Personne! On verra. Monsieur le juge, ne m'enlevez pas mes enfants, je vous en supplie. Madame Desmazures, vous ne devriez pas être ici. Mon mari et moi avons construit une belle famille. Nos 5 enfants sont très heureux ensemble. Je vais partir au Maroc. Là-bas, je pourrai leur offrir une vie décente. Madame... Fait venir, commissaire. Je vous signale que le juge vient d'inculper Saturnin Lefranc pour les meurtres des Reins et des Mazures. C'est une absurdité. Ce garçon n'a rien fait. Il était sur les lieux. Et puis, il est immobile. Il est amoureux de cette fille depuis son enfance. Il tue tout ce qui la touche.
C'est un débile. Et fort comme un Turc, il les aurait massacrés en public, pas à l'abri de tout témoin. Écoutez, Luena, je connais votre opinion sur cette affaire. Je sais aussi que ce qui vous est arrivé par le passé obscurcit votre jugement. Vous savez, les femmes ne sont quand même pas toutes des garces. Oui. Nom de Dieu. On vient de retrouver le juge Carton assassiné dans son bureau, lardé de coups de couteau, en plein palais de justice. Incroyable. Et vous allez aussi accuser le débile de ce meurtre-là ? Où sont les enfants? Il est parti. Où est-ce qu'ils sont partis? Imaginez le scandale. La sœur d'Henri Boissière, gendre du sénateur Régnier, soupçonnée de meurtre et d'enlèvement d'enfants. Rendez-moi. Rendez-moi, Henri. C'est ici, notre maison, maintenant. Vous devriez faire attention aux gens que vous mettez en cause. Vous permettez qu'on prenne un peu d'eau? Pas chez moi. Quel sale type! Mais qu'est-ce que vous voulez? Un traitement de faveur parce que vous êtes française? Ah! Lâchez-moi! Ah! Vous serez transféré à Nice pour y être jugé de vos crimes. Messieurs... Mais ça va pas bien, vous, hein ?